est le message biblique du temps de la fin que nous croyons. Nous a déjà donné conformément à la parole les principes même du mariage. Et si aujourd'hui il y a des problèmes dans beaucoup de mariages, c'est parce que nous ne gardons pas honorable le message. Aujourd'hui nous ne gardons pas honorable le message. Des gens vivent n'importe comment, se comportent n'importe comment. Et quand vous corrigez, vous allez voir que les gens ont tendance même à s'entêter. Au lieu de s'humilier, vous vous entêtez. Si tu t'entêtes, tu t'entêtes pour ma perdition, tu t'entêtes pour ta perdition. L'incrédulité ne tuera pas, n'arrêtera pas le plan de Dieu. L'incrédulité tuera l'incrédule lui-même. Le salut est individuel. C'est pas communautaire. Nous sommes dans la communauté pour réellement manifester que nous sommes sauvés. Et oui, mais le salut est individuel. Si toi tu choisis le chemin de la perdition, si on te conseille, tu t'enorgueillisses. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas que moi aussi je ne veux pas le vouloir. Le salut est individuel. Est-ce que vous l'achetez? L'incrédulité tuera l'incrédule lui-même. C'est pourquoi nous devons revenir au principe. Parce que quand il y a des petites complaisances qui commencent à entrer, on ne doit pas chercher à vous plaire. Je ne suis pas ministre d'un homme, je suis ministre de la parole de Dieu. Et en tant que ministre de la parole de Dieu, je dois défendre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme on a Katala, si tu refuses, donc tu n'es pas de la parole.